Je suis ravi de présenter avec toi cette superbe De'Longhi Dynamica. Oui, tout à fait. Alors celle-ci, c'est la 350-55P. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un tour rapide du propriétaire ouais, en si deux tu veux. Minutes ouais, ça marche. Alors c'est une machine automatique avec broyeur. Donc tu vois, tu vas retrouver du café en grain, oui. Une trappe à moulu pour faire aussi du café moulu. Oui, du déca par exemple. Voilà, du déca. Alors c'est une machine multi-boisson. Donc, plusieurs sortes de boissons à base de café, et puis des boissons à base de lait. D'accord. Voilà. Et tu as aussi une buse dédiée pour l'eau chaude, pour les tisanes été. Ce qui est pratique. Donc, on peut tout faire avec cette machine. Ouais. Pas besoin d'avoir plusieurs Exactement. Appareils à la maison. Exactement. Voilà. Et ouais. puis, en plus, bah, tu vois, elle est facile à utiliser au quotidien. Il y a des touches, un pavé tactile. Bien, Anthony. Un écran avec du texte qui va pouvoir t'expliquer au fur et à mesure comment l'utiliser, quoi faire, ouais. et ça c'est super sympa. Perdu. Et surtout pour l'entretien, ça va t'expliquer pas à pas les différentes étapes. Et puis en plus pour l'entretien, bah, tu vois, tous ces éléments-là, par exemple, passent au lave-vaisselle. D'accord, ok. Donc, ça, donc c'est on vraiment arrête chouette. En fait les petits éléments à nettoyer à l'éponge. Voilà, la petite brossette. La petite brossette, parce que ça passe dans les coins et Exactement. On n'arrive pas à nettoyer. Bon, voilà. c'est une machine plutôt compacte. Plutôt compact, ouais. Alors, ce qui est pratique, cuisines, ouais, ouais, qui passera dans toutes les cuisines, parce qu'en plus, pour remplir les différents éléments, soit c'est sur le dessus, soit c'est sur l'avant. Donc, tu peux la caler entre deux éléments. C'est pratique. Ouais. Et ça va bien avec les cuisines. Oui, puis elle n'est pas très large. Petite. Ouais, c'est ça, elle n'est pas très large. Et puis, non, elle est bien. Alors, on rentre dans le détail maintenant. On ouais. peut peut-être commencer par le bac à grains. D'ailleurs, ouais. Anto, viens par là aussi. Alors, le bac à grains, donc toujours sur le dessus de la machine. Oui. Tu retrouves classiquement chez De'Longhi, parce qu'ils aiment les finitions super, un petit joint d'étanchéité oui. qui va te permettre de garder les arômes. Mmh. Et puis, une petite vie de fumée voilà. qui permet de voir quand même le niveau, tout en préservant de la lumière, parce que Exactement. Le grain est sensible aussi à la voilà, lumière. Voilà, tout à fait. Ouais. Ici, on retrouve la petite molette pour régler le moulin. Donc, si tu as un broyeur en acier, oui. 13 positions, D'accord. qui va te permettre donc de passer d'un grain beaucoup plus moulu, avec une mouture beaucoup plus fine, à une mouture plus grosse. Rappelons qu'une mouture fine va nous donner une extraction beaucoup plus lente, ouais. et donc beaucoup plus intense en arôme, et avec une texture plus sirupeuse, alors qu'une mouture plus grosse va donner une extraction plus rapide, ouais. et donc des arômes plus légers, Exactement. Et une texture plus fluide en bouche. Tout à fait. Voilà. Trappe à moulu, on en a parlé. Toujours une seule dose, une seule dose à la fois, sinon on bloque la machine. Exactement, et ça c'est une cause de panne assez régulière, Exactement. Donc très attention ouais. avec ça. Tout à fait. Ici tu vas retrouver un petit repose-tasse. Oui. Alors c'est un repose-tasse passif, un petit chauffe-tasse, donc qui va te mettre à température tes tasses. D'accord, voilà. mais ça reste plutôt tiède quand même. Hein. Ça reste tiède, voilà. et parce que c'est chauffé uniquement par la chaudière de la machine. Alors attention aux chaudières, j'en profite là de parler de la chaudière, oui. c'est une double chaudière. Thermobloc, D'accord. en fait, et donc tu vas avoir une partie de la chaudière qui va permettre la création des boissons, mm-hmm. de chauffer les boissons café, oui. et la deuxième partie pour les boissons lactées. Tout à fait, donc ça c'est plutôt bien, parce que ça sera plus rapide. Plus rapide, hein, ouais. Parce que deux températures différentes entre le café et la mousse de lait, ouais. le lait chaud, et donc du coup en général quand on n'utilise qu'une chaudière, et ben, on doit attendre que ça redescende, on doit attendre que ça monte pour faire Exactement. Faire sa mousse de lait, donc on perd du temps. Exactement. Donc c'est un super point pour ce type de machine ouais. qui est quand même assez assez. Ben, c'est assez rare hein, sur assez ce rare. Genre de, ouais. de produit quand même. En général, c'est sur le très haut de gamme. Voilà. voilà, tout à fait. Ok. Ensuite, alors nous avons ici, bah, tu vois, toujours le plateau classique. Oui, qui est joli, qui a un joli dessin. Ouais, tout avec à fait. Avec un bac à marc qui a une contenance de 14 galettes. Oui. Ce qui pourrait paraître un peu juste. Bien. Ouais, mais ouais. en fait, le bac à grains fait quand même 300 grammes. Oui, c'est une belle contenance. Une ouais. belle contenance. Ouais. Donc, ça pourrait paraître un peu juste, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va te permettre de le changer plus régulièrement et oui. de pas que ça ne devienne pas un nid à bactéries. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, parce voilà. qu'en fait, on a plein de moisissures qui se mettent dans le marc. Café, hein, il faut quand même le dire. Ah ouais. Donc on peut avoir des couleurs assez extraordinaires. donc il faut le vider quand même régulièrement. Ouais, et d'ailleurs, De'Longhi a mis une option qui est quand même pas mal, c'est qu'au bout de 3 jours, 72 heures, si jamais tu n'as pas vidé ton bac à marc parce que tu n'as pas fait assez de café, la machine va t'indiquer de le vider quand même. Tout à fait. Ouais. Alors comme la voilà. sonnerie est en fait très désagréable, du coup on est obligé de le faire. C'est ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais c'est quand même, ça te permet aussi de, ça s'entretient une machine automatique. Oui. Si on veut la garder dans le temps, Exactement. Voilà, il faut quand même en prendre soin. Tout à fait. Voilà. Alors, en parlant de prendre soin, il faut prendre soin en fait de son eau. Exactement. Ouais. Donc ici, tu as le bac à eau, donc, oui. qui n'est pas visible, qui il se retire. Bien intégré dans la façade. Voilà. Tout à fait. Qui se retire comme ça. Donc une contenance d'1,8 litre, donc quasiment 2 litres d'eau. Oui.
donc c'est bien, vraiment, hein. vraiment bien. Ouais. Et tu vois, j'ai rajouté une cartouche filtrante parce que ça va permettre justement de retirer tout ce qui est calcaire de l'eau et éviter donc de mettre du... D'endommager la machine, Voilà, hein. Tout à exactement, dans fait. les tuyaux. Tout à fait. Et ce Voilà. sera encore meilleur au niveau du goût. Exactement. Voilà. Alors, en termes de côté technique, j'ai fait en gros le tour. On va retrouver ici le panneau de contrôle, Oui. donc qui est très sympa, déjà esthétiquement. Je le trouve Ouais, très très joli. réussi, ouais. Ouais. Tu vas avoir un écran texte ici, Oui. LCD, qui va t'expliquer quoi faire, à quel moment, comment lancer tes boissons. Et ici, un panneau tactile avec quatre touches d'accès direct pour les boissons. Donc, tu as l'expresso, le café allongé, le cappuccino et le latte macchiato. D'accord. Ensuite, tu retrouves ici toutes les autres boissons. Donc, le D'accord, qu'on peut faire ristretto, défiler l'expresso comme ça. longo, etc., le Voilà. café long, D'accord. le doppio plus. Je vais te faire une petite Oui. démonstration après. Et après, tu as une. Alors, attends, on va sortir. Et ensuite, tu as My Menu qui va te permettre en fait de faire. Donc, tu as accès à nouveau à toutes les boissons, sauf que tu vas pouvoir les paramétrer à nouveau. C'est-à-dire que tu peux paramétrer une première fois tes boissons et paramétrer une seconde fois en fonction de tes goûts à toi. D'accord, Voilà, donc ok. pour tes invités et pour toi, tu auras deux boissons, deux expressos par exemple différents. C'est parfait. Ok. Voilà. Donc c'est très complet et c'est assez simple à paramétrer en plus de ça. Ouais, tout à fait. Très simple. On y Alors, accède facilement en tout cas. ouais, je vais te faire un petit expresso. Bien sûr, vas-y. L'avantage des touches tactiles comme ça, Je vais c'est te pour le le faire nettoyage. exprès. Le nettoyage est très simple en fait. Hein. Bon, il Oui. faut bien sûr que la machine soit éteinte sinon tu déclenches, mais un coup d'éponge par-dessus et ça y est, c'est propre. Alors quand Exactement. on a des touches, ça peut se mettre à Oui, l'intérieur, etc., etc. ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est pas hyper élégant. Tout à fait. Allez, je vais lancer une boisson. Donc là, j'ai lancé un expresso hein, pour te montrer un peu la qualité de l'expresso chez De'Longhi. Donc tu peux choisir, paramétrer la quantité de grains que tu vas mettre dans chacune des tasses. Et puis tu peux paramétrer la longueur en tasse et la température. D'accord. Voilà. Parfait. Donc là, Donc tu l'as mis. Donc voilà. My Espresso, ici, C'est on le voit l'expresso. au-dessus, hein, c'est 5 grains. Donc ça veut dire que ça va être chargé Ouais. en café. Tout à fait. Donc on va avoir normalement un espresso plutôt aromatique. Alors plutôt aromatique. Tu vois, alors moi en plus j'ai Belle bien couleur, serré hein. Bravo. le moulin. Très belle couleur. Voilà. Ça fait Donc envie. Alors l'extraction est un petit peu longue parce que justement tu as fait une mouture qui est plutôt fine avec beaucoup de café. exactement, Donc tout du à coup ça fait. prend un peu plus de temps à Exactement. extraire. Mais Ouais, c'est c'est ça. normal. Rappelons qu'un bon expresso s'extrait normalement en 25 secondes. Tout à fait. Donc sur une machine automatique c'est souvent un peu plus rapide. Mais justement avec ce type de machine on arrive à des réglages qui sont intéressants et qui Exactement. permettent Donc tu vois, moi j'ai réglé d'avoir mon un bon expresso résultat. avec peu d'eau, une Oui. température basse et puis avec un moulin C'était très pour moi en fait. serré. Et oui, Voilà, c'est plaisir. je t'ai fait ton petit expresso. Donc voilà, on a une jolie créma. Sont très bons. Tu peux lancer la boisson Ouais, et en fait, je si voulais tu te veux. montrer en parallèle la fonction Doppio Plus, Oui. qui est une Explique-nous ce vraie que c'est la partie, boisson ouais, Doppio qui est une vraie Plus. particularité de Longhi. Le Doppio Plus va te mettre un double shot de café, une double dose de café. D'accord. Donc ce sera beaucoup plus aromatique. Et avec une jolie créma, enfin un truc, Vas-y, tu vas je suis voir. prêt. Je suis prêt. Celui-ci est Donc, déjà très alors, bon, hein. je vais rentrer dans les boissons. Je vais descendre. Tu vois, c'est très simple à utiliser. Doppio Plus. Et je lance. Et donc voilà. Alors, Alors franchement c'est très bon, si tu veux le goûter vas-y. Hein. ouais, je vais le goûter. Attends, je monte juste en ici. Ouais, Je joue avec vas-y. toi. Anto, regarde, refais-moi un zoom là-dessus. Je viens de boire deux gorgées et j'ai encore de la créma Tout sur à la fait. tasse. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment très bien. Tiens, je vais te le goûter. C'est gentil. Hop. Et ensuite on va goûter le Doppio. Alors, toi tu connais Tu vois, en par termes cœur. de. Bah oui, mais tu sais, moi, je l'ai testée et retestée avant que tu arrives. Et puis, parce qu'elle m'aime, je l'aime bien, vraiment, je Elle trouve t'aime bien qu'elle est. aussi. On s'aime bien, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa toutes les deux. Donc, Alors, le Doppio Plus, donc deux Doppio fois plus Plus, de café, tu vois. deux Alors fois là, plus on est. ou plus juste. Alors, deux fois plus. Deux fois plus, Deux ok. fois plus. Et tu vois, moi, comme j'ai bien serré mon moulin, on est presque sur du goutte à On est goutte. presque tout à fait. Voilà. Donc là, on aurait même pu mettre 4 grains pour que ça coule un tout petit peu plus vite. Mais bon, on aura quelque chose d'assez chargé. Exactement. Après, voilà, moi, Je j'ai l'aime bien vraiment aussi. réglé sur la fonction la plus Ah, intense possible, ouais, hein, tout à pour fait. vraiment montrer la différence entre les deux cafés. Tout à fait. Voilà. Tu veux pas que je dorme, en fait. Ah non, tu ne dormiras plus. Jamais. J'annonce. Je vais régler un petit peu long, mais c'est pas grave. Allez, Voilà. on peut Alors là, l'arrêter. tu vois, en termes de qualité de la mousse, Oh, tu vas voir, on regarde est sur ça. un truc Un hallucinant. truc de dingue. On va rarement trouver ce genre de résultat quand même Tout à fait. sur une machine automatique. Tout à fait. Voilà. Je Et tu vas voir, en goût, c'est juste explosif. J'adore. sent très bon déjà. Ouais. Là, ça sent beaucoup plus fort en fait Oui, que tout à sur le fait. premier. Ouais.
parfaite. Alors là, en effet, en fait, on a beaucoup plus de corps, on a quelque chose de beaucoup plus sirupeux. C'est explosif, en effet, beaucoup plus d'arômes. La créma est très présente, on la sent bien dès la première gorgée, c'est franchement Et tu très vois, très on est bon, quand c'est même bluffant. deux à avoir bu dessus, il y a la créma C'est et pareil, encore. il nous reste, en fait, après avoir bu tous les deux, il nous reste autant de créma que le premier, Ouais, c'est ça. quand il vient Ouais. de Donc tu vois, le résultat est vraiment top. s'extraire. Et alors, troisième façon, donc c'est déjà une deuxième façon de faire du café, troisième façon de faire du café avec cette De'Longhi, on va avoir la possibilité de faire un café long, un café allongé, sans qu'il soit délavé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la machine va te permettre de faire un café presque filtre. D'accord. C'est-à-dire que le café va être extrait à basse pression. D'accord. Donc, je vais Dans le retourner menu. dans mon menu. Café long. D'accord. Et je vais Tu le lancer. pressions. Et en fait, tu vas pouvoir entendre aussi que la façon de créer le café est différente. Bah, de toute façon, tu vas le voir en On tasse. va Hein. l'entendre, Ah, tout ouais. à fait. Tu vas le noter en Si tasse. on veut plus de facilité pour aller trouver les produits, parce que là il faut rentrer dans le menu, si on veut avoir plus de touches d'accès direct, il faut monter sur la gamme qui est au-dessus, Tout à fait. hein, Ah qui ouais. s'appelle je ne sais plus comment. Alors, c'est la 350-75S. Tout à fait, Voilà. merci. Où là, en fait, tu vas avoir sur le panneau de contrôle beaucoup plus de possibilités Voilà, en plus notamment le d'accès café long, direct, notamment le café notamment long. le Doppio? Notamment Peut-être pas. non, le Doppio Non, étant. Ouais. mais le café long en tout cas, oui. Ouais, tout à fait. Alors là, on voit en fait que l'extraction en effet n'est pas continue, elle est Ouais. discontinue. Et ce qui fait en fait ben justement qu'on n'épuise pas totalement la mouture Exactement. et qu'on va extraire les arômes sans extraire aussi l'amertume. Ouais. Et c'est Donc sur plus un ces. café est lavé, Ouais. plus il sera amer. C'est sur ces points-là qu'on voit que De'Longhi maîtrise parfaitement Ouais. en fait l'extraction, aussi bien sur un espresso que sur des ristretto. On n'a pas vu les ristretto qui sont vraiment super aussi, que sur les cafés filtres, Tout enfin à fait. presque filtres. Tout à fait. Voilà, sur les cafés allongés. Ouais. Alors tu viens de le dire, hein, c'est presque un café filtre. Ouais. Parce que quand on voit le temps d'extraction et que justement la pression est discontinue, on extrait presque comme un filtre. Je dis Exactement. presque, c'est pas un filtre. Exactement. Et là, tu vois, elle va faire une Et deuxième. oui. Voilà. Et parce qu'ils ont compris chez De'Longhi que les gens ne voulaient pas des demi-tasses mais des tasses complètes. Oui. Et que pour faire une tasse complète, en Avec fait, un goût avec ce accablant. volume-là, Ouais. il fallait au moins deux cafés. Exactement. Voilà. Au moins T'as deux tout volumes de compris. café. Bah, incroyable. Voilà. Donc tu vois, ça a moulu une seconde fois. Donc là, pareil, on repart sur le même procédé. On va peut-être pas le faire jusqu'au bout pour gagner un petit peu de temps. Mais on va encore laisser un petit peu. Allez, juste un tout petit peu et après en effet on va lancer la Voilà. boisson lactée. Parce que sinon Ah bon, on on est est là trop demain. long quoi. Je veux dire, On est là demain. allez, je l'arrête. Si on veut Vas-y. arrêter, on a juste à appuyer sur la petite touche, Voilà, stop, stop. et ça s'arrête. Voilà. Magique. Non, c'est très pratique, très simple. Elle est, en fait, moi, c'est ce que j'apprécie sur la gamme Dynamica, c'est que c'est intuitif. Ouais, c'est vrai. C'est juste simple. Il y a On n'a juste pas à suivre en fait besoin. les Ouais, c'est indications. simple. C'est des super résultats en tasse, de la simplicité et du choix. C'est vrai. Du coup, Tiens. franchement, c'est très bon. Ouais. Vas-y, je te laisse faire ça. Ouais. Tu veux que j'enlève la buse à vous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. C'est Merci. gentil. Franchement, Je te c'est très laisse bon. travailler C'est un beaucoup peu. plus léger, évidemment. On est sur un café long. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus. Oui. C'est aussi très aromatique, hein. Oui, On a tous les c'est arômes, mais d'autres arômes. avec de la légèreté. Exactement. Allez, on met la Oui. carafe Vas-y, carafe à ici. lait. Et comme ça, on va lancer une boisson Vas-y, je lactée t'en prie. pour voir. Donc, tu vois, il y avait une buse d'eau. Donc, tu as pour la possibilité de faire des Oui. thés et tisanes. Et ça, c'est très bien de l'avoir séparé pour éviter d'avoir une contamination de lait dans son eau. Exactement. Et surtout, tu n'as pas le goût du café si elle ne passe pas non plus par les buses café. Exactement. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur les boissons S'il lactées. te plaît. Donc très simple, pareil. C'est Allez. une one touch, Ouais. c'est-à-dire que je vais appuyer uniquement sur un seul bouton et ma boisson va se créer automatiquement toute seule. D'accord. Voilà. Fais-nous rêver. Alors ce qui est, tu vois, donc là, ça y est, la boisson est lancée. J'ai pu Oui. paramétrer la quantité de café, Tu l'as fait etc. en amont, bien sûr. Voilà. Et ce qui est pas mal avec cette machine, c'est qu'on est sur la technologie Latte Crema. Oui. Donc ça, en fait, c'est des technologies qu'on ne retrouve pas sur les machines beaucoup plus anciennes. Ouais, tout à fait. Et alors regarde, tu vas voir le résultat en tasse qui est hallucinant parce que Ben, sur ça les change tout. anciennes, mais ouais, parce qu'on Ouais. sait, t'avais, allez, 1 cm de Un mousse, centimètre ok. de mousse. Et des fois, tu en avais plus, mais c'était une mousse qui était relativement sèche, Ouais. hein, qui était un peu compacte. Là, normalement, on va le valider là, mais normalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus, Exactement. de beaucoup plus onctueux, de beaucoup plus crémeux. Exactement. Et tu vois, là, donc, le jet est précis, ça gicle le pas dans tous les sens, on n'a Ouais. pas de grosses bulles sur le dessus. Et puis c'est discret, Et le le son oui, est discret, assez ouais. agréable. Non, On mais peut avoir des c'est. sons qui sont très stridents, très aigus, Ouais, qui sont tout à fait. désagréables. Donc voilà. Bon, tu vois, moi j'ai paramétré les longueurs par rapport à mon verre.
Alors, la programmation est hyper simple. Ouais. Franchement, j'ai pas de difficulté. Voilà. Super. Donc, c'est vrai que c'est même rapide en fait pour faire une boisson. C'est très bon. Donc, c'est rapide, surtout ça se fait tout seul. Oui, donc en fait, on trouve ça rapide, mais on peut être en train de faire autre chose. Exactement. Revenir, on n'a pas perdu de temps, la boisson est déjà prête. Ouais, et alors, même tu si vas voir... c'est un bon moment, c'est un moment de détente aussi. Donc il faut prendre son temps. Exactement. Boire, ce type de boisson. Tu vas voir. Alors, on voit déjà en fait la démarcation entre le lait et la mousse de lait. On a à peu près là, il y a une densité et une couleur différente forcément. Tout à fait. Et voilà. Et densité différente dit, on va pouvoir dessiner des étages avec le café. Allez. Oh, comme c'est beau. Oh, je sais pas, il y a 5-6 cm de crème. Ouais. Au moins. Au moins. Tiens, je vais te donner une petite. Hop, si tu veux. Ouais, merci. Regardez. Bon, la mousse est ultra. C'est magnifique. Hein. Ouais. C'est ultra fine. C'est très beau. Je te laisse goûter. Hmm. C'est délicieux. C'est sucré. C'est onctueux. C'est une des meilleures boissons que moi j'ai bu en latte macchiato, c'est franchement non mais c'est un excellent résultat. Une qualité, une texture franchement topissime. Allez, je fais un petit résumé rapide de la machine. On a une machine complète, plutôt compacte, qui permet de faire des super boissons, c'est ce qu'on a vu en fait. Super boissons, espresso, doppio, long, boissons lactées, on a tout. Elle est pratique d'utilisation, elle est facile à nettoyer. Franchement, c'est une belle machine. Et on est très heureux de la proposer chez Maxi Coffee. C'est ça. Merci Enzo. De rien. À bientôt. Ciao. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Enzo. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là, mais par contre, elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on en fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, elles sont toutes bien. Ouais. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, ouais, bah c'est là que ça se passe.